Bonsoir, nous sommes à Saint-Pétersbourg le 6 avril 1946. Ma montre tarde de 3 secondes et ma mère est un orang-outan. Ce soir, je reçois Joseph Staline, dictateur russe bien connu, petit père des poulpes et leader incontesté du monde de la moustache. Joseph Staline, bonsoir. Non. Quoi, non? Non, mais en fait, je ne suis pas Joseph Staline. Ah bon? Non, moi je suis Albert Schweitzer. Vous n'êtes pas Joseph Staline? Pas de purge, de massacre, d'envolée lyrique sur l'avenir radieux du prolétariat? Non, je m'appelle Albert Schweitzer, je suis docteur. Écoutez, moi j'ai juste besoin de quelqu'un qui porte la moustache. Alors, êtes-vous moustachu? Oui, je suis moustachu. Très bien. Albert, vous avez le choix entre les questions pour Joseph Staline et celles pour Sylvester Stallone. Stallone n'est pas moustachu? Tout à fait. Tout à fait, il est moustachu ou il n'est pas moustachu? Il n'est pas moustachu. Staline alors, puisqu'il l'est. Moustachu? Oui. Très bien. Alors, attention, saviez-vous qu'entre Rumba et Rambo, il n'y a qu'une seule lettre de différence? Non, mais vous vous êtes trompé dans vos fiches, là. Tout à fait. Dernière question, et c'est une tradition dans l'émission, quelle sera votre épitaphe? Attendez, en quoi consiste l'émission, au juste? Très bien, Albert Staline, merci. La semaine prochaine, je reçois Adolphe Gudelin, qui a la particularité de se prendre pour une loutre, mais libertine. Bonsoir. Excusez-moi, Schweitzer, depuis tout à l'heure, ça me titille l'esprit. Vous n'avez pas eu un prix Nobel de la paix? Mais si. Mais c'est passionnant, ça. Faudrait venir dans l'émission. Click. A click. Click, click. Mais click. Oh oui, click. Mais click.